Bonjour à tous et à toutes, c'est Jackax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, présentation du nouvel hôpital ou laboratoire, je ne sais pas trop comment dire. Donc je ne sais pas s'il est vraiment nouveau au final, parce que je pense qu'il devait déjà être implanté depuis longtemps, mais on ne savait pas trop où il était. Donc la technique a été trouvée par AFMAL, donc voilà, je tenais quand même à le dire. Sa chaîne bien sûr sera en description, donc merci à lui d'avoir trouvé. Donc je ne sais pas si c'est vraiment lui qui a trouvé la technique, mais en tout cas, c'est sa technique que je vais vous présenter dans la vidéo. Et voilà, donc si vous aimez bien ce genre de vidéo, j'essaierai de trouver moi-même d'autres endroits. Après, je connais plein d'autres endroits sous la map que je pourrais vous présenter. Donc je pourrais vous faire une vidéo où je vous liste tous ces endroits-là. Et puis voilà, donc suivez bien la technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai, ou même venir sur Discord si vous avez des problèmes. Sur ce, je vous dis bonne vidéo. Donc voilà, avant de vous présenter la technique, je vais quand même vous présenter l'hôpital avant tout quand même. Hein. Voir ce qui est intéressant pour nous. Donc déjà, toutes les portes sont ouvrables. Donc voilà, ça c'est intéressant. Si vous voulez enlever le menu FPS, je l'expliquerai sûrement en vidéo. Mais je pense normalement que ces ordis-là en activité pourront être utilisés. Du coup, vous pourrez normalement, avec la technique, enlever ce fameux vieux FPS. Donc voilà, je peux faire le test en activité, mais c'est à tester. Donc voilà, on a pas mal de salles de laboratoire. Là, on a un bureau pour le chef. Donc vraiment, toutes les pièces sont ultra stylées. Oula, bah, j'ai perdu la porte. Là, on a un autre endroit encore de laboratoire. En plus, même l'ambiance, le son et tout, elle est vraiment quali. On se sent vraiment dedans. Après, voilà, par là, je vais pas trop montrer. Après, c'est pas mal de pièces vides. Mais justement, ces pièces vides peuvent servir pour des chambres. Donc, je trouve ça vraiment stylé. Voilà, la pièce principale maîtresse, on va dire, elle est ici avec les bureaux et tout. Donc voilà, ça peut servir d'hôpital, mais aussi ça peut servir de laboratoire ou quoi pour autre chose, si vous avez des idées de scène RP. Donc voilà, donc on va placer maintenant la technique. Pour rentrer dans ce nouveau hôpital là, vous aurez juste à vous rendre ici. Donc du coup voilà, vous allez voir que bon, c'est pas ouf l'endroit pour rentrer dans l'hôpital, mais vous allez voir qu'après je vais faire un truc assez sympa pour embellir justement cette place. Donc du coup, vous aurez besoin d'utiliser donc le garage de course double. Donc voilà, vous allez le placer comme ça, vous allez dans options avancées, faites modifier manuellement, vous n'oubliez pas de mettre l'empilement des éléments. Voilà, vous essayez de le placer à peu près ici. Donc si vous voulez prendre un point de repère, vous prenez cette cage d'égout là, ouais voilà, cette cage d'égout, et vous placez à peu près comme moi à ce niveau là. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre dans signalétique, pardon, le panneau Take and Fly, donc comme vous faites pour entrer dans les bâtiments de base. Donc voilà, pareil, empilement des éléments. Et vous allez faire comme si vous vouliez rentrer dans le garage. Donc voilà, je vais le placer comme ceci. Donc pour bien laisser la place pour pouvoir entrer, donc comme d'habitude, hop, donc là c'est parfait. Et ensuite pareil, comme si vous voulez rentrer dans le bâtiment, un panneau, un bloc 1x2, et voilà. Donc là vous vérifiez bien que vous êtes bien placé. Voilà, ensuite avant de pouvoir tester notre petit système, on n'oublie pas de mettre un parachute. Donc pouvoir se diriger quand on sera sous la map. Donc du coup on va être sous la map à un moment donné pour pouvoir accéder à l'hôpital. Donc ensuite on va tester l'activité. Donc une fois que vous vous retrouvez devant votre petit système, vous n'oubliez pas de prendre le petit parachute. Vous allez rentrer à l'intérieur du garage. Donc normalement ça rentre assez facilement. Une fois dedans, vous faites un saut en avant. Vous allez rentrer en bug. Vous activez vite votre parachute et vous dirigez vers la route, donc la route qui est ici. Donc toute cette route là à peu près, voilà, vous voyez que là justement là ça vous fait un petit plan de la map. Donc entre ça et là, vous essayez d'atterrir avec votre parachute, donc le plus tôt possible, parce que vraiment le bâtiment est assez tôt. Et une fois que vous êtes arrivé dedans, donc là j'ai de la chance, je suis pas en vue FPS, des fois ça bug, des fois faut que je reste en vue FPS. Après, si jamais vous avez le bug de la vue FPS, vous allez en haut vers les ordi et normalement en activité ils marcheront, et vous pouvez vous désactiver cette vue
FPS, ça évite de rester tout le temps en vue FPS. Donc voilà, maintenant une fois que tout est bon au niveau pour avoir pouvoir rentrer à l'intérieur de l'hôpital, vous avez tout bien fait, que vous avez bien réussi à trouver où c'était. Maintenant il va falloir trouver une sortie donc de l'hôpital. Voilà, sinon c'est un peu relou si vous pouvez pas sortir, s'il faut se suicider à chaque fois c'est un peu relou. Donc pour ça, juste avant de faire la petite manipulation pour faire la sortie, vous allez aller dans ensemble d'éléments, vous allez faire créer un nouveau ensemble d'éléments, vous allez faire sélectionner et vous allez sélectionner ça et le petit toit au-dessus. Voilà, vous créez, vous marquez n'importe quoi, on s'en fout tant que vous l'avez. Donc là vous voyez que je l'ai. Une fois que vous avez ça, vous allez vous mettre en vue au sol. Voilà, c'est très important, donc mettez-vous vraiment bien en vue du sol et vous allez retester l'activité. Donc voilà, vous prenez votre petit parachute, vous retournez dans l'hôpital. Une fois que vous êtes dans l'hôpital, vous allez quitter le test. Et là, vous allez voir justement grâce à la manipulation d'avant, en se mettant en vue au sol, vous allez voir que vous êtes dans l'hôpital. Mais vous allez pouvoir en même temps modifier des trucs. Donc là vous voyez que je suis dedans. Donc vous allez vous rendre tout en bas de l'hôpital. Donc là vous voyez qu'il y a une sortie ici, mais on va pas prendre cette sortie là pour faire la sortie. Afma l'a déjà testé, donc ça marche pas. Donc on va plus la faire là comme il a fait dans sa vidéo. Donc là justement vous allez reprendre l'ensemble d'éléments que j'ai fait auparavant et vous allez essayer de le placer. Donc voilà, ça c'est pas la partie la plus simple, mais essayez de le placer à peu près au bord du mur. Voilà, on va se coller au plus près du mur et on va le mettre ici. Voilà, on quitte tout le menu et on va essayer ce que ça donne. Voilà, ça va être pareil, c'est un peu chaud pour sortir, maintenant on saurait le faire assez rapidement quand même. Donc voilà, là vous voyez que bon, après plusieurs tentatives, bon là je l'ai placé vraiment à la vite fait pour la vidéo, mais si vous placez vraiment correctement, après vous voyez que ça me fait sortir assez rapidement. De toute façon ça devrait vous faire sortir instant dès que vous êtes hors map. Donc voilà tout, je pense vous avoir tout dit. Je vais quand même vous montrer une petite présentation de comment on pourrait embellir un peu plus ça, parce que c'est vrai que comme pour un hôpital ça fait un peu moche, donc je vais vous montrer, je vais faire ça hors caméra, comment je vais faire pour que ça soit un peu plus joli, et puis voilà je vous retrouve juste après. Donc voilà, je vous reprends un peu après. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Bon voilà, c'est pas du mapping de ouf hein. J'ai vraiment fait ça à l'arrache, il y a même des trucs qui sont un peu décalés. Bon là de ce côté là vous inquiétez pas, on voit pas, mais voilà, si on arrive de devanture, bon voilà je vous remonte un peu où il est l'endroit. C'est ici, j'avoue que c'est pas le truc le plus facile d'accès. Voilà, vous avez quand même une petite route ici pour y accéder. Si vous êtes un peu imaginatif, vous pouvez faire un petit parking ici. Voilà, vous faites arriver les gens ici. Là, un petit endroit ici pour accueillir les blessés. Et puis voilà, et puis faut savoir que ça gâche vraiment zéro élément. Hein. Je suis à combien? Là, j'ai gâché. Je suis à 15 éléments. Donc 15 éléments pour un hôpital. Et encore, il y a des trucs que j'ai ajoutés. C'est vraiment très peu. Donc en vrai, ça peut vraiment valoir le coup. Donc voilà, et puis c'est quelque chose de très original, donc voilà, à réfléchir pour ceux qui hésitent avec quel hôpital prendre. Mais en vrai, c'est intéressant, le seul petit bémol, c'est j'avoue le petit truc du parachute, mais en vrai, je vous assure qu'une fois que vous avez la technique, c'est très très simple d'y accéder. Il suffit juste d'aller au niveau de la route comme montré, donc là voilà, vous voyez qu'en plus j'ai placé les mains, donc c'est plus facile de se repérer. Et après, ça va comme dans du beurre. Donc voilà, sur ce, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que l'hôpital vous avez kiffé. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me voir sur Discord, le Discord est en description. Donc voilà, j'ai repris la vidéo d'Afmal parce que je la trouvais pas trop bien expliquée. Donc du coup, comme il ne parlait pas dans sa vidéo, je me suis dit autant la refaire correctement et au moins vraiment bien expliquer pour ceux vraiment qui ont du mal un peu en mapping. Comme ça, au moins là, c'est très bien expliqué et vous savez comment faire. Voilà, sur ce, je vous dis à samedi prochain. Merci à tous et puis ciao ciao.